slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'un glitch ou d'une astuce, vous voyez ça vraiment comme vous voulez, qui vous permettra de cabrer en illimité sur la roue avant de votre moto. Donc c'est vraiment un petit glitch ou une astuce assez what the fuck. Donc malheureusement elle se réalise en solo et non pas en multijoueur, à moins que vous trouviez un endroit de ce type sur le multijoueur, mais personnellement moi je n'ai pas trouvé. Donc ce glitch se réalise avec la moto Innovation, donc c'est la nouvelle moto du DLC. Je vais vous montrer un premier aperçu de comment ça doit se passer, même si la première fois j'ai raté. Vous allez voir que c'est vraiment super facile, il n'y a rien de compliqué et le résultat est vraiment très what the fuck, c'est vraiment super drôle. Vous allez voir que votre moto va cabrer toute seule sur la roue avant. Vous allez sauter dans tous les sens. Vous allez même parfois wallbrèche le sol et tomber dans le vide. Il y a vraiment moyen de se taper des barres. Malheureusement, ça ne se réalise pas en multijoueur. Mais si vous trouvez un endroit de ce type dans le multijoueur, n'hésitez vraiment pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Donc je vais vous montrer vite fait où est-ce que ça se situe. Donc c'est à côté de l'aéroport, donc j'ai pas débloqué toute la carte étant donné que j'ai perdu ma sauvegarde et j'ai pas encore tout revisité. Vous vous mettez là où je suis, donc c'est à côté de la plage, à côté de l'aéroport. Bon, je pense que vous connaissez un peu l'endroit. Et là vous allez tout simplement monter sur l'autoroute. Et quand vous allez voir la barrière qui se situe juste là, vous allez faire en sorte que votre roue avant passe dans la barrière. Et normalement si tout se passe bien, quand votre roue va passer dans la barrière, elle ne va pas la toucher, elle va wallbrèche la barrière. Et quand elle va wallbrèche la barrière va se déplacer. Et quand elle va se déplacer, elle va se bloquer sur la roue arrière. Ce qui va faire que votre moto, comme vous le voyez sur votre écran, va cabrer toute seule, va faire des sauts et des trucs assez rigolos. Et il y a vraiment moyen de se taper des barres. Donc je vais vous remontrer un peu la manipulation. Il n'y a pas réellement de manipulation, mais il faut bien placer la moto. Donc cette fois-ci, je l'ai fait le jour parce que j'étais mort. Vous l'avez bien vu. Donc là, je place la moto, je ralentis. La barrière passe sur la moto. Là, elle va passer sur la roue arrière. Et après, vous n'avez plus qu'à accélérer selon votre guise. Je vous conseille de ne pas trop accélérer parce que sinon, vous allez vraiment partir assez haut et vous allez vite mourir. Mais il y a vraiment moyen de se taper des barres avec ce petit glitch. Donc ce petit glitch m'a été présenté par Neo. Je lui fais une grosse dédicace, je te remercie. Je vous trouverai sa chaîne qui sera dans la description. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.